Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus à l'espace culturel Georges Brassens de Léonan pour la 32e édition des Walter des Sports. Merci à toutes et à tous d'être venus déjà en ce vendredi soir un peu pluvieux. Vous pouvez vous applaudir. La scène où on va recevoir tout de suite sur scène Yaroslav Lazil, le parrain de cette 32e édition, et Emma Gritchi. Mais avant qu'ils montent sur scène, on va tout de suite regarder le vainqueur du prix spécial du jury. Je m'appelle Claudie Robin, j'ai 50 ans, je suis président de l'association Sea Surf. Alors Sea Surf a été créé en l'automne 2012 pour aller à la rencontre du monde de l'handicap et du surf à Hawaï, pour rencontrer un surfeur aveugle brésilien qui s'appelle Derek Rabello, qui surfe une grosse vague hawaïenne qui s'appelle le Pipe Banzai. Et en même temps, on a rencontré une association qui s'appelle Accessor, qui fait d'action sport pour les personnes handicapées, tout handicap confondu, à Hawaï, dans la partie du surf. Et en rentrant d'Hawaï, on a voulu continuer l'aventure et faire découvrir le surf à des personnes porteurs de handicap visuel sur plusieurs événements par an. Et on a lancé la collaboration avec le Lacanau Surf Club. On a commencé en 2013 par deux actions, donc une en juin et une en septembre. Et dès 2014, on a commencé réellement les actions. Là, on a fait vraiment de l'implication découverte sur trois événements. Un en juin qui est réservé aux adultes et enfants et adolescents. Un en juillet qui est réservé uniquement à des enfants d'un centre pour déficients visuels ici en Barès, en Gironde, qui s'appelle le centre IRSA Alfred Perlong. Et en septembre, on fait un autre événement qui est consacré à nouveau aux enfants, ados et adultes mal non-voyants. Et depuis 2017, on a rajouté une quatrième date. Maintenant, on fait une sensibilisation lors du Lacanau Pro. Les Girondins de Bordeaux Events nous ont invités à faire participer le grand public à essayer le surf en mode non-voyant et des bandeaux. Donc dorénavant, là, on a maintenant quatre événements qui sont calés par an. Et là, cette année, on a sensibilisé 38 non-voyants différents et on a touché à peu près 233 personnes, 6 surfeurs malvoyants et bénévoles inclus, et ainsi que le club du Lacanau Surf Club en fait. Alors le retour, c'est des smiles, des sourires et le dépassement de soi, surtout la prise de confiance. En fait, un non-voyant est isolé naturellement par son handicap visuel, et le fait de pouvoir découvrir le surf leur permet de se dépasser dans une pratique qui n'est pas... à la base réservée à eux. Et grâce à notre expertise et surtout grâce aussi à l'aide du Lacanau Surf Club qui nous met gracieusement à disposition les locaux, le matériel et leur personnel pour qu'on puisse, nous, de notre côté, organiser une journée en toute sérénité. Les enfants, les adultes et les adolescents partent le soir hyper ravis d'avoir pu, comme ça on le dit, marcher sur l'eau en n'y voyant pas, quoi. Et grâce à ça, ils ont pu se dépasser dans une pratique sportive qui n'est surtout pas réservée au départ. Et pour nous, c'est une grande joie de les voir partir rincer le soir, mais avoir dépassé leur peur et dépassé leur angoisse due à l'océan. Le bruit, c'est quelque chose qui pour eux peut être très, très angoissant. Mais grâce à notre pédagogie et grâce au sourire que l'on met dans l'entourage et dans l'engagement, eux sont hyper heureux de participer à nos journées, quoi. Mesdames et messieurs, le vainqueur du prix spécial du jury, c'est l'association Sea Surf, où on va accueillir Claudie Robin sur scène. L'association Sea Surf, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir. Oui, ben, j'avais assisté à une de leurs séances à Lacanau et j'ai trouvé que c'était énormément sympa d'essayer de faire surfer les non-voyants, sachant qu'en étant voyant, c'est déjà difficile. Claudie, comment on lance une association pour justement amener les gens qui ont du mal à voir sur l'eau avec les émotions qui en suivent ? Je vais essayer de faire rapide. Je suis hyper bavard en fait. Merci d'abord au Walter du Sport de nous avoir mis l'honneur. Merci à Patrick d'avoir pensé à Sea Surf aussi. En fait, j'ai créé Sea Surf à l'automne 2012 pour initier des mâles et non-voyants à la découverte du surf. Et je n'avais ni matériel, ni argent, ni j'avais rien du tout. Et un jour, je fais la rencontre d'un grand monsieur qui est à côté de moi, qui s'appelle Laurent Rondy, qui est président du Lacanau Surf Club. Et Laurent m'a dit, voilà, t'as pas de matos, t'as pas de BE, t'as pas de locaux, mais moi, je te donne tout ça gratuit. Et je te mets à disposition mes locaux afin de faire surfer des non-voyants. Et on a commencé les événements depuis maintenant 2013. Et cette année, en 2019, on a fait surfer 38 personnes mal non-voyantes différentes. On a touché 124 bénévoles différents sur 4 events. Et en totalité, on a touché 233 personnes. Donc valide
handicapés visuels, enfants donc de 7 à 50 ans, et on touche des bénévoles qui partent avec une tonne de 14 ans jusqu'à 75 ans. Voilà, donc moi je voulais remercier quand même ma chérie qui supporte mes aventures, mes bénévoles qui grâce à eux, il y en a certains là-haut qui sont là-bas, je fais un big up à tous ces copains parce que grâce à vous et grâce à cette grande collectivité, j'ai une grande pensée à mon papa et à mon frère qui sont plus de ce monde, ils seraient très fiers pour nous et pour moi qu'on ait cette consécration, ce grand remerciement. Et je remercie tous nos partenaires qui nous aident financièrement, l'UNADEV. On compte également sur la Mutuelle Océane Matmut et la Fondation SNCF et tous nos donateurs particuliers. Et merci à Laurent, merci au club du Lacano Surf Club de nous mettre à dispo pour faire tous ces smiles pour les enfants, les adultes. Et on a la Lou là qui est à côté. Lou, c'est là, une petite fille qui a eu une tumeur au cerveau à l'âge de 6 ans et qui un jour est venue me voir en disant « Claudie, j'aimerais surfer, sauf que je ne peux pas parce que je suis handicapé visuel. » Et je lui fais « Cocotte, tu pourras surfer avec nous. » Et Lou m'attend depuis 2014 de surf. Et cette année, elle est passée en Formule Club au Lacano Surf Club. Et c'est la première handivisuelle qui pratique à des compétitions. Donc elle a fini cette année championne de Gironde parasurf. Elle a fini troisième au Championnat de France parasurf à 13 ans. Donc voilà, au départ, surf a été créé pour l'initiation. Mais on y va à la compète. Il est pour vous, ces copains, ce truc. Il est pour vous. Et pour toi, ma chérie aussi. Merci, Claudie Robin, pour l'association Seasurf qui remporte donc le prix spécial du jury. On va garder avec nous Jaroslav Plazil et Magricci. Monsieur Romain, et je vous remets le trophée. Vous êtes l'actualité de Seasurf et Lou est l'avenir. Donc je pense que vous pouvez le partager. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Laurent. Monsieur. Merci à tous, ces copains. Et commandez chez nous. Avec le surf, tout est possible. Big up à tous. Thank you.